l'Afrique cherche sa nouvelle voie. Pendant plusieurs semaines, des milliers de jeunes se sont présentés au casting du Castel Life Opéra, le plus grand concours de chant jamais réalisé en Afrique. Un jury de professionnels parcourt la République démocratique du Congo, le Gabon, le Burkina Faso, la République centrafricaine, Madagascar, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire afin de rencontrer les candidats retenus lors des présélections régionales. Dans chacun de ces pays, le jury n'a qu'une mission : détecter le ou la chanteuse exceptionnelle qui aura la chance de participer à la grande finale en Côte d'Ivoire. À l'issue des 6 émissions live à Abidjan, le grand vainqueur remportera un chèque de 15 millions de francs CFA, le trophée du Castel Live Opéra, mais aussi la production de son tout premier album. Voici les auditions du Castel Live Opéra. Cette semaine, retour sur les meilleurs moments des auditions du Castel Live Opéra. Nous vous invitons à revivre un tour d'Afrique musical riche en émotions. Souvenez-vous, c'est à Kinshasa que tout a commencé. Vraiment, je suis fier d'aller présenter mon pays partout où Castel Live va m'amener. Je suis vraiment prêt de le représenter, quoi. Vraiment. Mon cher ami, là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas où on dort. Allons-y. J'ai vérifié avec toi tes informations, c'est Patrick Semanda. C'est Patrick Semanda, M-U-A-N. M-I-A-N. Je suis vraiment concentré pour ça parce que, vous voyez, j'ai fait 485 km pour quitter ma ville, pour venir ici à Kinshasa pour présenter les Bakomodo. C'était pas facile. Donc j'ai même prévu déjà mon passeport qui est là, qui va m'amener en Côte d'Ivoire. Je la double. 1, 2. Dans le Congo, nous savons que les meilleurs musiciens, c'est à Kinshasa. Mais le Katanga, c'est un endroit, c'est comme une pépinière. Il y a beaucoup de talent, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Ça va. Pas trop stressé? Non, ça va. Tu gères? Oui, je gère. Ok. J'essaie de venir compter ma chance et
devenir une artiste confirmée, internationale et tout ce qui va avec. D'accord, tu trouves ça capable? Oui. Je suis préparée pour ça déjà. Comment tu t'es préparée? Ah, je savais que je participais à un concours. On ne vient pas participer à un concours pour perdre. On se sent apte et on va à la mort, à la vie. Et ton père sera fier de toi, le fait que tu es sélectionné? Bien sûr, vu qu'il est juste à côté. Il m'a posé la question de savoir, tu penses être sur Terre pour faire quoi? C'est quoi ton objectif sur Terre? Et dans le fond, je pensais que c'était faire ce que lui n'a pas pu faire, en fait. C'est-à-dire, il a fait de la musique, a toujours pensé faire une scène aussi internationale, mais vu son temps et le travail et tout, donc pas possible. Mais moi, je pense que si j'ai l'opportunité de le faire, je crois qu'il sera fier. Tu vas chanter la chanson de Youssou de Monique Seka, mais c'est toi qui l'interprètes. Et quand on va te dire chante la chanson gabonaise, mais mon Dieu, fais cette pâte d'arachide avec le manioc et donne aux gens. Yankan aniwula, nedungo yakanu aniwula. Yankan aniwula, nedungo yakanu aniwula. Mowo kanye, bocho wole fe. C'est pas du tout facile d'être musicien au Burkina, c'est difficile comme partout ailleurs, mais au Burkina Faso c'est encore plus pénible parce qu'on n'a pas de soutien. Et je peux dire aussi que les gars ne croient pas trop en la musique. Voilà, pas burkinabé, mais déjà même dans la société, quand tu dis déjà que tu veux être musicien, tu as déjà des tas de problèmes. À la maison, par exemple, il y en a qui traitent les musiciens de va-nu-pieds, de gars qui ne veulent rien foutre. Voilà, et pourtant, c'est pas ça. La musique, en fait, n'est pas reconnue comme étant un métier. Pour toutes ces familles, au cœur brisé, pour toutes ces personnes, au cœur blessé, je prie nos ancêtres qu'ils nous donnent un peu de joie. D'abord, il faut qu'on se mette au travail, parce qu'il faut travailler. Ce que moi j'ai remarqué, la plupart des artistes, d'abord, ne travaillent pas. Voilà, et il faut qu'on arrête de soutenir la médiocrité. Il y a trop de gens qui sont médiocres. Et il faut aussi de la créativité. Donc, c'est d'abord le travail. Travail, connaissance, patience, ensuite de la chance, et ensuite, qui sait. Des enfants d'Afrique.
aussi, donne vie à ton talent. Participe au grand jeu Castel Live Opéra et gagne jusqu'à 2 000 $ par semaine en envoyant le mot « clos » par SMS au numéro de ton pays. Envoie le mot « clos » au 72 62 pour le Bénin, au 30 93 pour le Burkina Faso, au 80 93 pour le Cameroun, au 70 06 pour la République démocratique du Congo, au 70 03 pour le Togo, au 98 111 pour la Côte d'Ivoire, au 10 11 pour le Gabon et au 0 335 60 00 60 pour Madagascar. Chaque semaine, 8 chèques sont à gagner de 100 à 2000 $ pour donner vie à ton talent. Je vais chanter pour l'honneur de Centrafrique. Je vais chanter pour l'honneur de Centrafrique. C'est mon pays. Je suis fier d'être Centrafricain. La vérité blesse, c'est qui ne veut jamais le dire aux yeux des autres. Je pleure dans mon cœur, moi, Scaris Mitichela. Cet amour qu'on a donné à notre pays, Centrafrique, avec casting à la vie opéra. Cet casting soit toujours le meilleur. Et que vous nous donniez que la vérité. Espera bombo con sa dégra. Ascari sumitichela. On est en train de chercher la personne qui va porter les espoirs de tout le pays. Pas seulement de Bangui, hein, de tout le pays, quoi. Tu sais, là-bas, il y aura sept autres représentants de pays qui seront aussi talentueux que toi et tout, quoi. Alors, est-ce que tu crois que tu es cette personne-là? Mais oui, c'est moi. Ah, c'est toi? Ah, yes, génial. Commencé à chanter pendant les périodes de délestage. Le délestage, c'est une coupure d'électricité. La nuit, on s'ennuyait. Je prenais ma petite sœur et moi, on faisait des interprétations. Tout ce qu'on connaissait comme chanson, on chantait et puis ça animait la maison. Pourquoi tu as voulu participer à cette émission? J'ai toujours aimé chanter. Et vu que donc j'ai su qu'il y avait un casting et comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, j'aime bien chanter moi
Et déjà, avec le fait que c'est plutôt au niveau international, je voudrais bien aussi montrer que je sais chanter, quoi. Ah, voilà, c'était là. Je chante parce que la musique, c'est mon métier. C'est mon métier, la musique. Et ma carrière aussi. Je présente mon pays, Madagascar. Et c'est ça, le rythme de Madagascar. C'est ça, la couleur de Madagascar. Et c'est ça, la langue malgache, c'est ça. Là, je viens de finir mes études, donc je sens que je peux me lancer vraiment. Tu faisais quoi comme études ? J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie civil. Ouais ? Ouais. Donc, je viens de finir et j'ai l'accord de mes parents. Et c'était pas la musique de manière professionnelle avant la fin des études. Donc. Ah, ils voulaient pas avant ? Oui, pas avant, donc... Tu te faisais en douce un peu ? Tu chantais en douce ou... Non, pas en douce, non. Ils étaient d'accord pour que je m'exprime, mais pas de manière poussée. Angelo, ils vont être trois devant toi. Ouais. Le jury va être composé de trois personnes. Imagine que c'est un vrai public. Ouais. Imagine que tu es devant, donc un vrai public avec plein de personnes. Okay. Donne tout ce que tu as donné. Si tu as envie de prendre le micro, chanter, danser, etc., n'hésite pas. Il faut que tu leur montres tout ce que tu sais faire. Well, the heroes welcome will be waiting for me when the price will share. When they see my face and the voice keeps saying, this is where I'm meant to be. I don't want to look back. I will go this time. I will search the world. I will face it all. I know every mind will be worth. Comment ça va? Très bien. Chez maman Africa. Elle chante pas uniquement en famille, elle chante partout. Elle chante partout. Elle a passé des compétitions sur le plan scolaire. Et vous avez pris. J'adore. C'est ma fille. Vous l'accompagnez au casting? Mais bien sûr. Si
Et si les dirigeants bénis, si les dirigeants africains pouvaient s'entendre et pouvoir, pour que la paix puisse régner, ce serait bien. Comme ça, il y aurait de l'harmonie, il y aurait de l'entente, ce serait bien. Comme ça, la guerre, il n'y aura plus la guerre, il y aura le développement, il y aura la paix. Toi aussi, donne vie à ton talent. Participe au grand jeu Castel Live Opéra et gagne jusqu'à 2 000 $ par semaine en envoyant le mot clos par SMS au numéro de ton pays. Envoie le mot clos au 72 62 pour le Bénin, au 30 93 pour le Burkina Faso, au 80 93 pour le Cameroun, au 70 06 pour la République démocratique du Congo, au 70 03 pour le Togo, au 98 111 pour la Côte d'Ivoire, au 10 11 pour le Gabon et au 0 335 60 00 60 pour Madagascar. Chaque semaine, 8 chèques sont à gagner de 100 à 2 000 $ pour donner vie à ton talent. C'est de percer et aider les gens, créer des infrastructures dans mon domaine musical. Ici à Lomé, si Dieu le permet. Merci à toi. Merci pour cette belle énergie. Merci d'avoir donné, d'avoir fait voyager un petit peu.
ma mission sur terre, c'est pour, en tout cas, donner un message de fraternité, d'amour et de joie à autrui, quoi. Donc, si je suis là, dans ma bulle, personne ne va me voir, personne ne va savoir. Oh, I'm about to go insane. I need you, I need you. What I gotta do, oh, I need you. Imaginons, on t'appelle et on te dit, c'est toi qui vas représenter la Côte d'Ivoire. Comment tu vas réagir? Wow. Wow. Là, je fais une crise cardiaque directe. Oui, c'est ça le truc, en fait. C'est que ça va être difficile. Non, mais je vais être la plus heureuse sur cette terre, je pense. Et puis, je vais ramener le prix à la Côte d'Ivoire. Surtout ça. Ce qui a commencé comme une simple altercation s'est changé en une vraie complication. Quand je pense à ce que sera ma vie, j'ai trop envie de pleurer. Voilà, il m'a son kafaka, Mordoy a dénié. Et quand je pense à cette scène, j'ai le cœur en peine. Ram pa pa pam, ram pa pa pam, ram pa pa pam. En ce qui concerne mes textes, je pense que j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à dénoncer, à peindre, comment dirais-je, l'état de la société. Et voilà, j'ai des déceptions amoureuses que je traduis par mes chansons. Les jours nouveaux s'élevaient, une vie nouvelle a commencé. Nous ne voulons plus de violence à l'humanité. Les jours nouveaux s'élevaient, une vie nouvelle a commencé. Nous ne voulons plus de violence à l'humanité. Merci d'avoir suivi ces auditions. Au total, le jury du Castel Live Opéra aura vu défiler près de 400 candidats dans 8 pays. Prochainement, vous aurez le plaisir de découvrir les 8 finalistes à Abidjan pour le tout premier Prime. L'aventure ne fait que commencer.